Et si je ne fais pas confiance aux parents non résidents? Si le parent résident est inquiet au sujet du contact, soit s'il ne se sent pas rassuré par l'endroit où le non résident va emmener l'enfant, ou qui l'enfant rencontrera lors du contact, si l'enfant ne s'entend pas bien avec le parent non résident et refuse de le voir, si le parent non résident n'est pas capable de s'occuper d'un enfant en bas âge, il est alors possible de s'arranger pour que le contact ait lieu chez une autre personne ou en présence de quelqu'un d'autre. Il est commun d'avoir un grand-parent, un relatif de la famille ou un ami commun présent lors du contact. Il est aussi possible d'arranger un contact dans un centre de contact.